Coucou tout le monde, me revoilà encore une fois et encore en pyjama. Et oui, j'assume mon pyjama, c'est le pull de mon chéri en fait. Je lui ai piqué parce qu'il est très chaud, voilà. Donc on est le 7 et je vais essayer de trouver le 7. Donc là non, c'est le 14. Ah, décidément, je les trouve très très vite entre hier et aujourd'hui. Moment cocooning numéro 7. Donc je garde bien ma petite étiquette. Voilà. Oh, des masques. Oh, c'est trop fort. Bon, moi aussi, je te spoil pas, mais je pense qu'on a eu certaines idées en commun. Donc, il y a un masque pour les lèvres. Je le connais et c'est vrai qu'il est plutôt sympa. J'aime bien. Oh, bio. Alors, donc ça, c'est une marque asiatique. Donc, c'est Pilaten. Je l'avais vu aussi dans un haul. C'est pour ça que j'avais testé, j'avais acheté aussi. Et là, c'est bio aqua, donc c'est asiatique, je dirais. Je sais pas si c'est coréen ou peu importe. Et donc, c'est sweet extract, hyaluronic acid masque. Bon, bah, je lis pas l'asiatique, je suis désolée, hein, même si je fais du karaté, je lis pas l'asiatique. Et bon, je dirais que c'est les extraits marins avec l'acide hyaluronique. Donc, façon un peu sirène. C'est tout à fait moi, j'aime beaucoup. Avec des fleurs, donc c'est toujours la même marque, c'est Bio Aqua. Et c'est à l'extrait de rose. Voilà, les masques tissus. Je vais me faire un plaisir de les tester. Et effectivement, ça sera un moment cocooning. Mais vraiment de fifou, parce que c'est intéressant. Et un autre, c'est à l'huile de riz. Masque, donc senteur litchi et mousse de la marque Action. Voilà, franchement, ces packaging là, en fait, vous avez vraiment pas envie de vous en servir tellement ils sont beaux. Vous avez vu comment c'est joli, celui-là avec les petites fleurs et tout, j'aime beaucoup. Je vais me faire un plaisir de me faire des masques parce que vraiment, ils donnent envie. Donc, en tout cas, on se donne rendez-vous demain soir en pyjama pour un nouvelle ouverture de cadeaux. Bisous, bye bye.